Bon, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on ne perd pas ce match-là. Maintenant, on n'avance pas non plus. Il y a une belle réaction en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on met des choses en place. On se dit, bon, si le terrain est compliqué, on évite de se mettre en difficulté. On essaie de jouer quand même. Bon, ça part d'un bon sentiment, mais après, ce qui a fait la différence en première mi-temps avec cette équipe-là, c'est qu'elle a été beaucoup plus efficace. Nous, on a quelques situations, mais quand on est sur les côtés, les ballons, ils n'arrivent pas. Et eux, sur la première situation, il y a un beau centre au premier poteau et c'est Rivière qui marque 1-0. Après, on a une situation avec Yo, le gardien fait un bel arrêt. Et sur une situation où on commence côté gauche, on veut faire un relais et prendre côté droit, on se fait contrer, on se fait transpercer une deuxième fois. Donc, voilà, je trouve qu'on n'a pas assez accompagné les situations au niveau du milieu. Je pense qu'on a laissé un peu Yo Touzgar seul devant. C'est ce qui explique un peu nos difficultés. En deuxième mi-temps, on a modifié. On a vu une équipe un peu plus conquérante. Et comme par hasard, quand on s'applique sur les centres, ça fait deux buts parce qu'il y a un bon ballon et on vient au premier poteau et on ferme au deuxième. Pareil sur le deuxième but, c'est Allé qui est là au deuxième poteau, mais il y a un bon centre de Jérémy. Donc ce qui a fait la différence, c'est la qualité technique. Après, ça a été, je veux dire, sur un terrain compliqué, on a essayé jusqu'au bout, on s'est essayé jusqu'au bout, jusqu'à la fin, en mettant de la vitesse et sur coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est 2-2, c'est un moindre mal. Mener 2-0, ils se battent jusqu'au bout, quoi. Si, je peux reprocher la première mi-temps où je trouve qu'on a. Si on a été en réaction, on n'a pas été en action. Si on a eu le ballon, mais avoir le ballon, c'est bien, mais par moment, il faut savoir se projeter et accompagner les offensives. Et je trouve que par moment, on était beaucoup trop bas et on n'arrivait pas à accompagner, donc ce qui explique un peu nos difficultés. Par rapport à cette deuxième mi-temps où je trouve qu'on a été un peu plus conquérant, on a des bons ballons, mais il nous manque toujours cette petite justesse dans la passe. Alors après, bien sûr que le terrain il était compliqué, c'était pas évident. Mais bon, on n'a pas non plus ce brin de réussite. Il y a la frappe de Pierrick d'entrée en deuxième mi-temps qui va sur la barre. Mais bon, c'est comme ça. On revient avec un point. C'est encourageant, mais si on veut aller chercher les choses, il faudra faire beaucoup plus et dès le début du match. Ben, il a eu une perte de connaissances. Mais là, dans le vestiaire, ça allait, il avait récupéré. Il ne sait pas combien on a fait, donc on lui a dit qu'on avait gagné. Mais non, ça va, il y a plus peur que de mal. C'est vrai, quand on l'a vu allongé comme ça sur le terrain, on s'est posé des questions, on a eu peur. Mais bon, il récupère très vite, c'est un guerrier. Il est sur pied, là. C'est au contact du joueur ou... Ouais, je pense que dans le duel, il a pris le coude au niveau de la mâchoire. Il a été KO, mais bon, voilà, plus de peur que de mal, il a bien récupéré. Bah, un bon match déjà, enfin pour vous, enfin voilà, un bon match pour les quelques spectateurs qui sont venus. Un bon match, ouais, bon, mais il y a de quoi être déçu et un peu frustré du résultat, surtout quand on mène 2-0, voilà. Mais néanmoins, on n'a pas su non plus, à l'entame de la seconde mi-temps, faire preuve de maîtrise. Et puis surtout de rigueur défensive. Voilà, donc quand on mène 2-0, on a la chance de mener 2-0, alors que c'est une très bonne équipe en face. C'est vrai qu'on doit faire preuve de plus de rigueur défensive. Bon, c'est vrai que les mots ne suffisent pas, mais à la mi-temps, pour dire il faut vraiment qu'on redémarre la seconde mi-temps comme on l'a fait en première mi-temps. Mais ça, dans la tête des joueurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense qu'on a commencé à préserver un petit peu le résultat. Voilà, on a un peu reculé. Et à partir de là, on a laissé l'avance revenir. Mais il faut dire aussi qu'on n'a pas fait les bons choix offensivement, puisqu'on a quelques bonnes opportunités aussi offensives, ce qui nous aurait sans doute peut-être permis d'aggraver le score. Et là, le match aurait été plié. Mais on n'a pas su, un, préserver. Grâce à une meilleure rigueur défensive, le résultat. Et deux, je pense que ces mauvais choix offensifs ont remis au silence dans la partie. Il y a cette expulsion de Johan, là, en l'espace d'une minute, là, peut-être.
Oui, honnêtement, je pense quand même, je pense que c'est un peu sévère, voilà, donc les deux cartons consécutifs, notamment le deuxième, mais bon. Après, bon, Yohan a fait preuve d'engagement, là, bon, après, c'est l'arbitre qui juge que c'est excessif. Bon. Mais après, forcément, à 10, là, en revanche, l'équipe a été courageuse pour, après, bon, préserver l'essentiel, savoir au moins un point. Il a fallu aussi faire les changements donc pour aussi permettre à l'équipe de préserver aussi ce point. C'est bon? Merci.